Salut! Il y a des matins comme ça où même s'il fait pas très beau, même s'il fait pas super chaud, eh ben je suis content d'aller dans l'atelier aujourd'hui particulièrement parce que je vais faire du Douglas, je vais travailler du Douglas pour faire un petit escalier droit, un petit escalier de meunier qui va monter dans un grenier, c'est au-dessus d'un garage, c'est rien de très compliqué et on va partir là-dessus. Allez en avant! Et voilà, du magnifique Douglas de pays. Je suis en Auvergne, donc on a la chance d'avoir des assez beaux Douglas. Ceux-ci viennent d'une petite scierie juste à côté d'ici, une scierie paysanne, comme j'aime à le dire. Et on a deux limons, et puis 12 ou 13 marches, je ne sais plus exactement, il faut que je vérifie sur le plan. Le séchage des bouts de bois, en gros, dans la première année, il va sécher à 80%. Et dans les années suivantes, il va finir de sécher à 100%. Le relevé de côte que j'ai fait sur place dans le garage, j'ai pris les aplombs pour bien vérifier que le sol était parallèle au plancher au-dessus. J'ai pu définir avec le laser, j'ai défini des aplombs et ensuite vérifier les niveaux pour avoir une hauteur à franchir. En l'occurrence, il y a 2640 mm. J'ai dessiné un plan au dixième de sa taille, c'est-à-dire que voilà, 1 mm là-dessus égale 1 cm à la fin. C'est beaucoup plus facile pour se rendre compte de plein de choses. Et j'ai donc mes limons qui font 25 mm de large et donc on a 25 cm ici. Les limons, ils sont relativement droits. Je vais juste dégauchir le champ de façon à avoir une face de référence pour tracer mes marches. Le bois est encore un petit peu vert, donc ça ne sert pas à grand chose de le dégauchir. Il va se maintenir tout seul une fois que l'escalier sera assemblé. Alors je vais tracer au cordeau une ligne qui représente tout l'alignement des nez de marche et ensuite avec mon super gabarit je vais dessiner toutes les marches pour pouvoir les défoncer ensuite. J'ai mon petit gabarit pour les escaliers droits, ça permet de calculer la hauteur et le giron des marches et de les tracer sur les limons. C'est pas bien compliqué, il suffit d'aligner le gabarit sur le bord du limon et d'aligner la hauteur des marches et puis le giron sur la ligne de nez de marche. Et voilà, hop, on serre. Ici, c'est toujours bon. Non, c'est pas bon. Voilà, donc là, j'ai le limon droit. Et puis ensuite, sur l'autre limon, il suffira d'inverser pour avoir le limon gauche. Allez, fraise hélicoïdale de 12 mm, celle-ci a des brises copeaux pour avoir des tout petits copeaux qui passent bien dans l'aspirateur, et une bague à copier, claque de 30 mm, donc on a, si je compte bien, 18 mm d'écart, c'est-à-dire 9 mm entre le bord du tranchant et l'extérieur de la bague. Il faut donc que j'ajoute 9 mm tout autour de mon gabarit pour avoir une entaille de la bonne taille.
Donc les marches derrière moi, on va les préparer de façon à ce qu'elles fassent 32 mm d'épaisseur. Donc là, j'ai mis 32 plus 18, 50 mm. Et la profondeur des marches, j'ai envie de mettre 180 mm en gros. Donc je vais compter 198. Et je vais ensuite placer ce gabarit sur le dessus de mon trait. Normalement, il faudrait que j'ai un décalage de 9 mm. Mais j'ai un petit peu de rab encore au deux bouts. Donc je ne vais pas retracer une nouvelle fois l'escalier. Je vais utiliser le trait que j'avais au départ. Et mettre le coin au coin en gros, ça va simplifier la pose de tout ça. Là j'avais dit 198. Allez, 198. Ce gabarit festool en aluminium, MFS 400 et 700, enfin bon, voilà, gabarit MFS de chez Festool, c'est vraiment génial. C'est la combinaison de ça avec la défonceuse et les bagues. C'est vraiment formidable parce qu'on peut mettre les serre-joints, les mesures sont hyper précises, enfin voilà, ça que des avantages, sauf le tarif. Alors, il y a une nouvelle option sur YouTube, c'est l'odorama. Vous cliquez en dessous, il y a un petit dessin en forme de nez et vous aurez l'odeur comme moi. Me disais, ça aspirait pas grand chose, mais j'avais pas mis le bon sélecteur. Bon, voilà, ça y est quand même. Il a fallu en gros à peu près une heure pour faire les... Combien il y en a ? 22 entailles. Il y a 11 marches, plus la marche palière qui est à l'arrivée. Avec la fraise Freewood, c'est vraiment comme dans du beurre. Il faut juste prendre le temps de mettre le gabarit à chaque fois et de le faire un peu comme il faut. Mais avec une telle machine et une telle fraise, ça va quand même pas mal. Voilà, un petit coup de nettoyage sur tous mes traits. Je vais retracer les contours de mes entailles pour pouvoir les écarrir au ciseau, de façon à avoir des angles bien droits au carré. Allez, l'écarissage, c'est pas bien compliqué. Un ciseau qui coupe, bien sur le trait, et... Donc voilà la chute que je vais coller ici. Enfin, je vais la fixer avec quelques dominos, je pense, ou quelques clamex. Et ça va faire le pied de l'escalier pour une meilleure assise sur le sol. Ah, y a... 32,5. Les marches, elles sont là. Il y a 3 marches par plateau. En gros, 3 fois 84 cm, 840. Et je vais commencer par déligner un long bout sur le côté déjà pour l'écarrir. Et ensuite, couper les 190 mm dont j'ai besoin. Et la chute, ça me ferait une belle chute. Ça peut faire de l'ossature bois, ça peut faire pas mal de choses. Mais en fait, les marches ne font que 190 mm de large. Donc ça va être pris là-dedans. Thank you.
Alors, ça c'est le limon qui va côté mur. Je vais percer un tout petit trou de 4 mm de façon à avoir une marque sur l'extérieur. Je vais ensuite présenter les deux limons face à face pour traverser. Et ensuite, il y aura une tige filetée, enfin trois tiges filetées sur la longueur du limon pour assembler tout l'escalier ensemble. Et c'est à peu près tout ce qu'il y aura. Allez, une mini marche pour assembler les deux limons ensemble. Et à l'autre bout, on voit que ça s'aligne quand même pas si mal. Il y a juste 3 mm. Clac. Ouais, le week-end est passé et comme par miracle, il y a des petits elfes qui sont venus mettre de l'huile de lin et de la térébenthine là-dessus. Un, ça sent super bon et ensuite, l'escalier est maintenant un petit peu protégé contre des taches, des chiures de mouches et des choses comme ça. Quand je vous dis que j'ai amplement assez de travail avec une clientèle locale, vous voyez ? Voilà, l'escalier est en place, ça pèse pas bien lourd, il doit faire 40 kg à peu près, donc on l'a monté là-haut avec Rémi. Et maintenant, il faut que je prévoie, vous voyez, sous le limon, là, il faut qu'il touche par terre. Donc, il faut déjà qu'on avance par là-bas pour mettre la marche à l'horizontale. Il manque bien 10 degrés, je pense. Et ensuite, on aura l'emplacement de l'endroit où il redescendra. Il redescendra à sa position.
L'escalier est encore un petit peu en pente, avec des marches orientées comme ça. Il faut descendre l'escalier vers moi. Et en gros, il faut faire une entaille là au coin pour éviter ce morceau de ciment. Et puis, il va descendre à sa place là où il faut, là-haut. En gros, le trait qui est là, ça doit être le dessus de la marche. Donc, il faut que l'escalier il descende. Et pour descendre, il faut lui entailler les limons en bas. Et voilà le palier d'arrivée, l'escalier il est tenu en bas comme on l'a vu tout à l'heure avec la petite cale en ciment. Et je vais juste piquer un tire-fond dans la solive, là, dans la trémie, et ça va le maintenir en place. C'est à peu près toutes les fixations que je vais lui mettre, parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Allez. Et voilà, sans argent, ça ira pas bien loin. Bon, il craque un peu, hein, mais c'est une échelle de Meunier. Malgré le traitement, il a déjà été baptisé, hein, mais on est dans un garage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On va faire 2-3 points techniques sur l'escalier. Idéalement, pour qu'un escalier soit confortable, il faut qu'il réponde à la loi de Blondel. La loi de Blondel a dit que 2 hauteurs plus un giron égale entre 60 et 65 cm. Et ici, on a 57. Mais le truc, c'est qu'on a 22 cm de haut. Et là, ça ne convient pas du tout. Un escalier qu'on dit confortable, il n'a que 17 cm, voire 18 à monter. Mais ici, avec le peu de reculement que j'avais ici, parce qu'il y a la porte, eh ben, c'était complètement impossible. C'est une échelle de Meunier. Si vous avez un escalier à faire dans une maison, eh ben, arrangez-vous pour faire de la place, ou créer de la place, ou faire un escalier à quart tournant, ou autre chose en tout cas. Mais là, ici, dans les circonstances du lieu, eh ben, c'était impossible. Mais voilà, la loi de Blondel, c'est 2 hauteurs plus un giron égale, allez, on va dire 62 cm, c'est idéal. Alors, l'utilisation du Douglas, c'est du Douglas de charpente. Il est à peine un peu plus sec que du Douglas de charpente. C'est, pour faire un escalier dans ce genre, ça va très très bien. Avec la réserve quand même, que si vous faites ça chez vous, et j'ai ça chez moi, on aura des nœuds qui vont fendre. Je vais vous en trouver un. Normalement, les nœuds ne vont pas tomber à travers, mais voilà, c'est un des défauts du Douglas, c'est que les nœuds se fendent comme ça. Et pour un escalier intérieur, c'est un peu moins joli. Ce projet d'escalier qui a une finition, on va dire, de charpente, qualité charpente, et ben voilà, ça ne prend pas très longtemps à faire. Moi, ça m'a pris une bonne journée au total. Si on n'avait pas fait les vidéos, ça m'aurait pris à peu près une journée à fabriquer. Et puis en gros 2 heures à poser, parce que c'était pas très loin non plus, hein, voilà, j'ai pas beaucoup de transport sur l'affaire, mais voilà, c'est avec ce genre de petit boulot que je gagne ma vie ici, très localement, et ça va très très bien comme ça. Alors je vais pas courir à Clermont ou au Puy-en-Velay pour faire des chantiers ou voir beaucoup plus loin. Voilà, je fais généralement moins de 10 km pour travailler. Ici c'était encore mieux que d'habitude. Quand je reçois des demandes pour aller sur des projets fantastiques ou des fois moins fantastiques, mais aller travailler à 40, 50, 200 km, et ben, je suis désolé, mais je ne peux pas le faire. Et voilà, une bonne paire de choses faites. Je vous prépare une petite vidéo sur comment faire vieillir du bois pour le rendre un peu plus patiné, et avec diverses solutions mécaniques ou chimiques, et on va s'amuser un peu. Allez, à ciao, bonsoir.